Et yo tout le monde, c'est Snowdeo sur Sidraza pour la petite présentation du serveur. Du coup les potes, le faction il ouvre à 15h et le minage ouvre à 13h ce samedi 24 avril. Voilà voilà les amis, écoutez, je vous reprends directement pour la présentation. Ok les potes, donc du coup avant que tu commences, on fait gagner un petit gratuit sur le serveur pour participer, être abonné, liker et mettre un petit commentaire, ouais, mettez ce que vous voulez. Mais évitez de mettre des petits jeux participe, mettez un petit commentaire sympa ou critique ou pas la vidéo, on s'en fout. Un truc constructif, voilà, qui permettra d'améliorer la chaîne. Et du coup, les potes, mettez au pseudo, n'oubliez pas. Et sur ce, les gars, bonne vidéo. Ok, les amis, donc du coup, vous pouvez le voir ici, nous avons les petits minerais. Ici, du coup, nous avons le ambre, ici le jade, ici le saphir, ici le sidraz. Voilà, les petits blocs, quoi ils ressemblent. Bon, la texture est banale, mais ils ont pu quand même s'améliorer. Mais prendre les minerais comme ça, ils sont stylés. Par contre, j'avoue que là, j'aime bien. Ça, du coup, c'est les random morts, hein, voilà. Du coup, ensuite, ici nous avons du coup les armures hein, basiques, vous connaissez quoi, c'est voilà, c'est Minecraft hein, évidemment. Ici, comme sur Plutonia, du coup, il est pas pour ceux qui savent pas, Sidrazia, c'est du coup Plutonia qui a juste changé de nom et qui a eu quelques nouveautés et tout, voilà. Donc, du coup, voilà, comme ceux qui connaissent avant, voilà, vous avez toutes les graines et tout, comme avant, voilà. Ici, vous avez les graines de vue d'argent, ici, Creeper, voilà, après, anti-chute, force, tout ça. Vous connaissez, ici, du coup, nous avons les petites plantes, comme vous connaissez, je pense. Ici, c'est anti-chute, je crois, donc poison. Ici c'est... Ah non, c'est des gars et la feu, voilà. C'est pas des... Je sais pas qu'est-ce que je dis. Ici du coup les échelles voilà, qui montent permet d'aller plus vite. Ici les coffres en ambre. Ici du coup ça va être la table de... Ah non, la table suprême. Ici le four qui permet de cuire plus vite. Voilà, voilà. Ici nous avons le compacteur. Voilà. Ici des crafters. Je vous montre un peu le craft du coup. Ça se met comme ça, voilà. C'est un peu badass quoi le craft. Ça va être long. Du coup c'est avec les établis comme ça que... crafter et du coup compacteur ça permet de avec des diamants et du fer de faire des plaques de fer raffinées pour ensuite ça va servir de la pâte vous avez ici du coup le décrafteur donc je pense que vous connaissez un peu voilà par exemple ici j'ai mis un casque tout à l'heure et du coup il s'est transformé en 5 sidras ce qui est plutôt pas mal voilà vous faites ça vous devez mettre deux hop ici là je vais vous montrer tac vous mettez un peu de pétrole bam ça le remplit. Et après avec le décrafteur ça permet d'avoir le stuff. Imaginez vous l'enchanter, vous trompez, c'est pas le bon enchant que vous voulez, mais voilà. Ici du coup c'est un bloc d'alarme, en gros il permet de vous prévenir si un joueur rentre de votre dans un chunk là où vous l'avez posé. Ça vous envoie un message sur Discord directement, voilà voilà. Ici du coup c'est le cave block, voilà ce petit craft. Écoutez voilà, vous pouvez voir les petites caves et tout, les minerais. Bon les minerais c'est que ceux qui sont dans les caves. Hein. Pas, vous pouvez voir les bases et tout, voilà. Donc, c'est pas un X-ray, les gars, c'est juste un cave block. C'est pas mieux pour les caves, c'est indiqué dans le nom. Ici, la petite épée suprême, voilà, l'épée légendaire du serveur. Donc, voilà comment ça se craft, du coup, plutôt badass. Et du coup, elle fait pas mal de dégâts, je crois, elle fait 11,5 de dégâts. Ici, du coup, on a la Saturne que je vous montrerai après. Le creeper aussi, que je vous montrerai après. Et donc, ici, vous avez les stuff des gardiens. Que je vous montrerai comment on va l'avoir. Hop! C'est que bon, vous connaissez, je pense, comme sûr qui était sur Plutonia, excusez-moi. Vous devez tuer des joueurs pour avoir des coups de sang, bon, des sangs coagulés après qu'ils soient coagulés, quoi, des sauts de sang. Voilà, vous connaissez. Du coup, ici, les gars, tout a été refait, voilà, de A à Z, comme vous pouvez le voir. Ici, nous avons les minerais du coup des gardiens. Celui-là, c'est le minerai du paradis et lui de l'enfer qui se trouvait du coup dans l'enfer et dans le paradis. Et franchement, les gars, la texture comme ça, c'est ultra stylé par contre. Je kiffe hein, vraiment. Regardez-moi ça, comment c'est stylé, ça bouge et tout. Franchement, grave stylé. Du coup, en minant ça, vous avez un fragment avec des fragments. Vous craftez du coup le cœur, je vais vous montrer un peu. Hop, du coup, fragment, voilà, prends celui-là. Non, c'est le cœur, qu'est-ce que je fais? Je sais pas écrire. On va prendre un cœur du paradis, voilà, tu prends un fragment compressé, du coup, c'est en gros, c'est les fragments du cœur que vous devez faire un bloc, voilà, et après, vous pourrez faire le cœur comme ça. Avec le cœur, vous. Après là ça va être plus compliqué du coup gardien voilà faire la tête et tout voilà ça va être comme ça ça va être assez compliqué moi en vrai c'est facile à craft mais voilà après il faut tout crafter les gars comme vous pouvez le voir ici pour le corps voilà c'est milliers de gemmes et tout gemmes du paradis ok donc ça c'est dans le paradis qu'on trouvera donc je pense que voilà, vous avez capté comment ça marche du coup après vous obtenez du coup les comment on appelle ça les bon, les œufs, non, même pas, c'est des blocs que vous obtenez pour les crafter, du coup, voilà. Et après, voilà, mais du coup, ça donne ça. Et ensuite, voilà, le petit gardien
quand vous tuez le gardien, après, vous aurez des... Vous aurez quoi après? Non, après, voilà ça. Quand vous tuez le gardien, vous avez ça. Et avec ça, après, vous pouvez faire une orbe compressée. Et avec l'orbe compressée, je vous montre ça dans 2 secondes. Qu'est-ce qu'on pourra faire avec? Hop, juste en passant, regardez un petit peu la crevasse, comment elle est, un petit bac à pied, voilà. Franchement, qui est plutôt stylé, j'aime bien les petits. Ouais, ça c'est stylé, j'aime bien. Ils ont fait ça dans. Ouais. Plutôt stylé, moi j'aime bien. Franchement, leurs ponts et tout, ils sont vraiment beaux en plus. Non, ils ont bien travaillé en vrai pour cette version et tout. Pour une V1. Bon, après, voilà, ils ont quand même un budget et tout, mais franchement, c'est quand même clean, hein. J'aime bien. Et du coup, les gars, voilà, on arrive du coup ici. Vous avez l'opsi anti-crash du coup, voilà, ici vous avez le bloc anti-mount, donc en gros lui c'est, ça fonctionne que dans un chunk par exemple, voilà, c'est pas obligé de poser partout, c'est que dans un chunk, voilà, donc ça fonctionne par chunk, c'est plutôt cool. Du coup, ici après, quand vous obtenez un saut de sang, vous faites ça, et la orbe, vous la posez directement, et après ça va faire des petits éclairs, et puis il faut tout enlever avant que le stuff pop, voilà, et après du coup vous avez le stuff qui pop, avec de l'XP, et vous obtenez le petit P4 des gardiens, voilà, voilà. Après je pense que ceux qui étaient sur Pitonia ils connaissent déjà. Ensuite Sept le Creeper, voilà ça fait spawn un Creeper, il a 5 utilisations. Bon, bah, écoutez, bon du coup là je peux faire plein spawn plein parce que la qualité est changée. Bon du coup. Ensuite la petite sainte bombe. Du coup. Écoutez bien le son qu'elle va faire. Alors, ah, faut poser comme ça je crois. Ah mais il y a un détonateur, moi j'ai pas de détonateur, je crois. Et du coup écoutez bien le son. Voilà, voilà, c'est assez drôle quand même. Ça fait, la première fois que j'ai entendu, ça faisait bizarre. Écoutez, il y a une demande, c'est quoi ça? Bloc rebondissant, oh. Attendez, on va tester ça. Eh, pour anti-FK les gars. Ah non, ça marche pas. Ok, ici un petit golem, on va voir. Hein. Voilà les potes, je crois qu'on a un peu fini tout. Je regarde ça. Non, il y a des événements et tout à présenter. Je vous présente ça dans 2 secondes. Ok les amis, donc du coup si vous avez le petit bloc rush, voilà comme vous connaissez, comme sur Plutonia, c'est un totem amélioré en fait, en gros il est divisé en 5 parties, voilà vous avez un bloc qui spawn aléatoirement sur ces 5 points de spawn, voilà il y a un peu partout, et donc du coup voilà les potes, en gros c'est le premier qui casse les 5 blocs, première faction du moins qui casse les 5 blocs qui a gagné, donc voilà, je pense que après vous connaissez, c'est un peu comme sur Plutonia, voilà. Ok, donc du coup pour les gardiens les gars, en fait, en gros vous devez venir ici, donc voilà, vous pouvez pas back, vous pouvez rien faire. Et en fait vous venez ici, vous venez, vous sautez ici, du coup il n'y a pas de dégâts de chute. Vous posez votre petit gardien, par contre dès qu'il spawn, il y aura un message dans le chat comme quoi il dira quoi, vous avez fait spawn le gardien. Donc tout le monde pourra venir ici et après essayer de vous tuer. Mais du coup, ce qui vient, imaginons que vous êtes avec votre fac, imaginons que c'est moi qui fais spawn, ouais je le fais spawn, je vais me cacher dans un coin au pire, ouais je me cache dans un coin, j'espère que personne ne me voit. Et que en fait, tout le monde se fight, et en fait, comme ça, quand le gardien sera tué, c'est moi qui récupère le gardien, comme ça, hop, tu peux back, voilà, c'est une stratégie qu'il faut mettre en place. Faut, en fait, en gros, faut cover le mec qui fait spawn le gardien. Si vous êtes sûr de garder le gardien, moi, comment on appelle ça après? Parce que moi, en fait, ce qu'il le gardien pour après faire, voilà, pour les orbes. Voilà, voilà, j'ai plus mon bouche. Et je pense, les gars, qu'on a fait un peu tout le tour, je vous montrerai un peu le petit tour du spawn et tout, et après, ça sera fini. Bien écoutez, voici à quoi ressemble le spawn. Alors du coup, j'ai oublié de vous présenter ça. Le petit paradis. Pour les paradis, en fait, vous ne pourrez pas y aller directement. En gros, il y aura des défis communautaires à réaliser. Et en fait, c'est tout le serveur voilà, qui doit réaliser ce défi pour pouvoir ouvrir le portail du paradis. Et donc du coup, ici nous avons la forge, enchant et tout. Voilà. Non, que enchant, la forge de l'autre côté. Bon, vous connaissez les gars, c'est un spawn basique. Plutôt stylé d'ailleurs. Voilà, ici avec les petites caisses. D'ailleurs, si on peut voir les caisses, c'est ce qu'il y a dedans. Dites-moi. Clé bêta, ok, vous avez tout ça. Caisse vote. 50 heures, c'est pas ouf, 50 dollars par contre. Caisse divine. Ok, par contre, il y a que ça comme caisse, il y a rien d'autre. Oh, putain, j'ai vu caisse bêta, non, c'est caisse défi. Ouais, non, il y a pas ouf les caisses. Moi, j'attendais mieux quand même. Bon. Écoutez, les gars, je pense qu'on a pas fait tout le tour du serveur. Si j'ai oublié des choses, je m'en excuse, mais voilà. On a fait un peu tout, tout. Sur ce les gars, c'était Ace, bye bye. Non mais casse-toi, arrête de me poursuivre. T'es qui Toi t'es qui? Ah si tu l'enlèves en premier, mais je te goom. Mon jeu il est full buggé, c'est pas beau, mais bon vas-y, hein. Si je te nique avec ça mec, c'est que t'es vraiment pas bon. Frère, tu joues depuis quand à Minecraft? Ça fait au moins 1 an que j'ai arrêté de jouer. Moi j'ai depuis 8 ans. Allez. Ah. Mais il a pris jump boost le malade.
sûr il s'est pris une pomme shit. Voyons. J'ai ça. Si c'est le cas, c'est à toi la victoire si c'est le cas. Il a pris une pomme shit, mais non. J'ai pas de pomme shit. Attends, t'as pris. Non, ah oh, non. C'est lui qui a pris. Il a drop les pommes en drop, il les a drop. Il les a drop le cancer. C'est lui qui les a, c'est pas moi. Il me les a drop. Ah, c'est trop chiant. Ah, mais c'est horrible, ça stock et tout. T'as raté, chais, t'as raté. Non, non. Ah oui, ah non. Je n'arrive pas. Oh, le jump boost, c'est horrible. C'est infâme. Mec, mais attends, mec, attends, mais attends, on a régénération pendant 5 minutes, mec, frère. Juste ça. Quoi, on a régénération pendant combien de temps? Attends, vas-y. La pomme. Il nous, non. La pomme anti-drase est assez cheatée, quoi. Ah, celle-là, mais là, c'est la pomme shit en sidrase en plus. Ouais. Raté. Ah, raté. Ah, il est plus wheel. Bon, ce mot est mort. Allez, là, c'est bon, je te goûte. Oh, la Dura, par contre, mec. Oui, Dura. Oh, je t'ai dit. Il y a un souci de Dura, c'est ça? Bah là, on est déjà mis de Dura, mec. Non, non, moi, j'ai déjà plus de Dura, en fait. Vous avez plus de Dura? Ah oh, mais là, c'est chaud. Là, lui, il a plus, hein. Moi, j'ai 400, lui, il a plus, je crois. Là, j'ai 200 Dura. Ah merde, ok, bah je vais demander au fond de là de voir pour la durabilité du coup. Si oh c'est que y a un problème de Dura... À part si c'est l'acide Rex qui fait autant de dégâts, mais sinon... Bah après, c'est, elle est plus ou moins cheatée aussi, quand même, l'acide Rex. Mais après, vous avez pas eu 3 dessus. Vous êtes P4 simple. Ah oui, oui, donc... Ah ouais, normal aussi. Je sais pas, t'as combien d'éclairs, toi? Bah j'en avais 8, là, j'en ai... Il en a mis 9 dans son avantage, les mecs. Non, non, j'en avais que 8. Oh oui, je l'ai mis. Allez, tiens, faut alors ah, ouf. Bon, ah, il y a des éclairs qui repopent tout seul. Bon, ok, merci. Ah oui. Oh, oh, oui. Bah, oui. Et ta gueule. Non. En terre, tais-toi. What? J'étais qui pour fly. J'ai le close. Et par contre, il y a un petit souci là. Ah oh, ouais, j'ai un nuage sur moi. Je peux regarder. What? Pourquoi j'ai un nuage sur moi au web? On m'explique. C'est que ce bordel, frère. Allez, GF close. Ice dropé dans un V1. Oh non, mais c'est quoi ça?